Ah non, de toute façon, j'ai pas besoin, je suis con. Nous excellons dans la destruction de l'ancien monde et dans la construction du nouveau, président Cheng. Il y a 200 ans, le président Cheng a mené ses armées à la conquête des dirigeants décadents de ce pays. Aujourd'hui, son humble descendant, le camarade Cheng, va mener la noble population locale afin de reconstruire un pays plus florissant. En unissant nos efforts, nous pourrons éradiquer les deux dangers que sont l'absence de loi et la maladie. En unissant nos soldats, nous pourrons nettoyer le pays des bêtes et des bandits de grand chemin. En unissant les fermiers, nous triompherons de la famine et de la pauvreté. Lorsque les villages concurrents auront été éliminés, tous devront s'unir sous la direction éclairée du camarade Cheng et de la commune de Tempeni. Ah ouais, quand même, hein, le gars, il est au taquet. Bon, très bien, on voit à peu près quelle est la mentalité à cet étage. Il y a un garde. Monsieur Tenpenny ne reçoit pas de visite. Je viens voir Tenpenny, si vous étiez moins nul, vous le sauriez. Attendez un peu. Oh, d'accord, je vais vous laisser entrer. Mais si Tenpenny râle parce qu'il ne vous attendait pas, je vous tue. Déshabillé Quaker, quoi, les gars. Là, frac, je coupe la tête. Oh, c'est mignon, un petit jardin et tout. Tranquille, peut-être que l'eau est potable ici. Oh, c'est cool, putain, il y a même de l'eau potable quoi. Je pourrais remplir toutes mes bouteilles d'eau. Putain, c'est le pied quoi. Bon, nickel, c'est fait. Ensuite, est-ce qu'il y a des trucs à prendre ici? Petite voiture. Qui mérite de prendre le risque. Ok, très bien. Caleçon explosé, c'est bon ça. Dérivé des ours noirs de la région. Putain, mais ce n'est pas le moment idéal. Ça alors, de la visite. Je reçois rarement des visiteurs. C'est dommage, car je m'ennuie généralement à mourir. Tous ces gens s'agitent comme si j'étais en verre et sur le point de m'effondrer à chaque seconde. Je suis surpris qu'il vous ait permis d'entrer. Alors, que dites-vous de ma magnifique tour? C'est le joyau des terres désolées, non? Je dois dire que je suis assez fier de moi. Vous n'avez pas construit cette tour, vous l'avez trouvée. Quelle prouesse! Soyons diplomates. Il y a de quoi. Quand j'ai vu cette tour à l'horizon, j'ai su ce que je devais faire. J'ai engagé des hommes forts et nous l'avons remise en état. J'ai eu la grande chance de tomber sur Monsieur Burke, un homme extraordinaire. Il est doué pour parvenir à ses fins, n'est-ce pas? Ensuite, il a suffi de trouver les locataires ayant suffisamment de moyens. Le reste est, comme on dit, de la littérature. Parlez-moi de vous, monsieur Tempin. Un vrai gentleman ne parle pas de lui, mais j'espère que cette magnifique tour en dit long sur moi. Vous tirez sur quoi, là? Oh, sur ce que je veux, mon garçon. Tout ce que je veux, c'est le safari des terres désolées. Très relaxant. C'est une belle tour, vous avez un... Certains disent que la Tenpenny Tower est le couronnement de mes activités. Mais non, mon cher. Non, non. Ce n'est que le début. Ok, je dois y aller. Donc c'est lui, monsieur Tenpenny. Non, mais genre. Il faut me faire croire qu'il touche quelque chose. Bon, très bien. Allez, cette fois-ci. Donc maintenant qu'on a fait le tour, on va aller voir pour la Tenpenny Tower. Tac.
peu cette nouvelle armure, ce que ça donne. Ah, pas mal, pas mal. Allez, allons voir Roy Phillips. Je pense qu'il a des choses à me dire. Peut-être trouver un arrangement. Tu m'ouvres. Je ne suis pas là pour vous distraire. Bah non, mais tu peux m'ouvrir la porte quand même. Putain, t'es de quoi. Donc l'invasion japonaise. Parce que je le ferai au prochain tour. Je pense que je peux visiter la maison probablement. Ouais, cette invasion japonaise me fait un peu ramer bizarrement. Je pense que ça doit pas être super optimisé pour le. Oh nickel. Ouais, généralement dans un truc comme ça, quand c'est un peu le bordel et que vous avez quelques livres qui traînent. À couvert, du coup il est parti. C'est qu'il y a deux trois petites choses qui peuvent traîner. Comme ça, ouais. Il va y avoir une porte, c'est pas sûr. Ok, apparemment. Ah, ça fait boum. C'est vrai que cette tour, quand tu dois y être, putain, tu dois y être bien être tranquille, quoi. Et du coup, j'en profite. Hein. Je vais commencer à me connaître un peu. Bon là je laisse un peu tout ça puisque je commence à être un peu full en termes de lame de tondeuse. On va commencer à faire un peu l'exigeant et à faire le tri dans ce qu'on va récupérer ou non. Non, on recherche plus surtout de la munition, putain, c'est un iBot. Il y a un nom de témoin là-dedans. Ça je sais pas, j'en ai jamais encore utilisé donc. Oh bah cool, j'ai trouvé. Ah bah il faut savoir que ça c'est une quête, enfin une c'est un mode également. Cuba Experimental Station. Salut. Non, c'est un iBot. Ok, donc ça va être ici. Bon bah très bien. On viendra plus tard dans ce cas. Donc, on va aller voir les ghouls. Oh, c'est vraiment enfin l'ambiance vivement le 4 quoi. Et youpla. Le pot de Wellington. Putain, c'est quoi ce bug? Un bug de texture, j'ai cru me faire attaquer par une araignée géante. Ah bah ça c'est pas une araignée géante par contre. Hop. Je change d'arme parce que là, je vais jamais la buter. J'ai plus rien. Ça va être principalement de la ghoul maintenant. Et on va passer à pam, 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 pam. Je peux m'en servir si je les vois de loin en fait. Ça me permet de les aligner et je switch quand elles arrivent à peu près à distance. Ah. Hop. C'est un nouveau type de ghoul ça. Tac tac tac. Oh,
janvier, non? Même pas. Boule luminescente. Truc là-haut. Ce qui s'est passé ici. Mais... d'autres trucs à récupérer. J'ai pas l'impression. Ça va arriver vite fait. Aïe là ! Ok, très bien. Bon. Il reste plus que 4 balles. De toute façon, j'irai pas bien loin avec ça. Un bug. Soldat kamikaze. Armure de combat japonaise. Putain, 32. Il est juste pas photo, quoi, en fait. Alors... je suis à combien? 268. Et je ressemble à quoi du coup? Eh, beau gosse. Moi je pense qu'ils sont là-dedans. Bon. On verra. Vu, il n'y a personne. Oui, ça va pas être aussi simple d'y aller. Hein. Pas se bouger la face. Là-bas. Boost headshot. Ça a été violent là quand même. On a fait un beau combo. Oh fuck. Pouf 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 pouf. Changement d'ambiance. Bon, il y a quand même pas mal de ghouls sauvages dans le secteur. Ils sont derrière la porte. J'ai un peu abusé de la pile à fission. Ah bah non. Puis quand c'est saloperie, ça ouvre les portes. Putain. Ok. On se met ici. Là. Comment je vais faire? Ça, je sais. Je sais. Mais si, c'est nickel. Au pire, je virerai les petites affichons. C'est lourd, c'est chiant.
peu... Bah si, je vais pouvoir bouffer une... brochette d'écureuil. Du sang et du... Ah oui, j'ai de la viande. Parfait. Que demande le peuple ? Ouais, du coup je vais virer le lance-missile, je pense. Oh, dans les vêtements, j'ai plus rien de lourd. Écoute, on va essayer de continuer comme ça et puis au pire. Je m'en débarrasse. Allez, continuons. C'est que j'entends des gens qui demandent de l'action. Donc deux portes. Une autre possibilité par ici. Non, c'est pareil. Ok. De l'eau sale. Ok, climat pas vu encore. Le connard est passé là. Ça m'a l'air d'être par ici, l'endroit où il faut que j'aille. De me faire taper par un truc, c'est un piège. Ah, écoute, on va le virer de toute façon. C'est pas chier parce que je suis sûr que j'en aurais besoin. Sûrement. Ouais, donc le seul truc. Ce truc que je reprocherais, on va dire, c'est vraiment cette gestion des armes qui est juste catastrophique. Enfin, catastrophique. Qui nécessite de retourner à chaque fois dans le. Dans le Pip-Boy pour. Choisir son équipement. Il y a plein de trucs. Stop. Putain, les grenades, faudrait que j'aille à chier maintenant. Fusil d'assaut. Toujours pas. Donc ça c'est fait. Ensuite, on va passer sur notre arme de close combat. On va progresser. Après, ça veut dire que les ghouls sauvages n'attaquent pas les ghouls civilisés. Hein. Ça, c'est un peu. C'est un peu bizarre. Mais bon, ça a l'air d'être. Ça a l'air d'être le cas, on va dire.
une grenade, je crois. Oh putain, je fais péter un truc. Ah ouais, ok, il y a une canalisation là. De baisser. Poche de sang, c'est pareil, je ne devrais pas en prendre. Marine Tank Station. Capsule, puis là, c'est là où je suis arrivé tout à l'heure. Beaucoup de conducteurs, mais bon. Ah, il y a du steampack là. Par contre. Donc on va dire qu'on a nettoyé le métro des goules sauvages, puis on devrait tomber sur les civilisés non pas longtemps. Vous là-bas, rangez vos armes et venez ici. Pas de bêtises, sinon je tire. Qu'est-ce que vous faites ici? Cet endroit n'est pas sûr pour les gens comme vous. Je suis venu voir Roy Phillips. Ah ouais? Il vous attend? Dans ce cas, allez-y. C'est jamais bon de faire attendre Roy. Il n'a pas beaucoup de patience. Faites attention à vous. Qu'est-ce que vous faites dans le tunnel? Je traîne avec Roy et sa bande de parias. Roy est du genre carré qui fait pas de prisonniers. Il a entendu parler de ce connard de Tenpenny et il essaie de nous faire entrer dans cette tour. Il prépare un plan pour buter tous ces enfoirés. Croyez-le ou pas, j'allais en vacances là-bas. Alors c'est comment détruire une goule? J'ai pas toujours été comme ça. J'ai été un scientifique. On a fait de grandes choses, des choses incroyables. Bien sûr, il a fallu faire des sacrifices. Des gens ont souffert, mais ça progressait bien. Et puis, il y a eu ces saloperies de bombes. Le karma, c'est vraiment une plaie. Tâchez de vous en souvenir. Je crois lui dire qu'on m'engageait pour le tuer. Chercher à faire quoi là? Ouais, ça a mal se passer. Toujours pareil, je cherche potentiel repère sur la map pour aller plus vite par la suite. La menace japonaise. Ouf. Ok. Lol. Qu'est-ce que vous faites ici? Ici. Je sais que passer. Le passé. Cela se. Si tu veux. Ah, je peux lancer la quête. J'ai soif. Ouais, je sais. J'irai voir un médecin. On va éviter de tirer, ça va faire boum, je suppose. Attends, ok, c'est une partie de chez eux quand même.
assez violent, quoi. Oh, bonjour. Je suis Bessiline. Je ne crois pas que vous devriez être ici. Vous avez parlé à Roy. J'espère que vous... Enchanté, Bessie. Pas de soucis, ça va aller. Je ne veux de mal à personne. Vous devez assurer pour avoir franchi toutes les sauvages. Nous, elles nous ignorent. Mais quelqu'un comme vous... Je parle encore trop? Alors, qu'est-ce que vous faites dans les tunnels? Roy prépare un plan pour nous faire entrer dans cette tour. J'ai Tenpenny. Il dit que ce n'est qu'une question de temps. Il est fort. Il n'abandonne jamais. C'est le genre de type qui fait bouger les choses, Roy. C'est pour ça que les autres le suivent. Moi, j'aime bien la manière qu'il a de me regarder. J'ai l'impression d'être devenue jolie. Je le suivrai au bout du monde. Alors, comment c'est d'être une boule? Oh, eh bien, ce n'est pas si mal, j'imagine. Une fois qu'on s'y est fait. Mais ce n'est pas comme avant. J'ai été jolie, vous savez. Tout le monde venait me rendre visite. Mais les gens arrêtent de venir vous voir quand ça commence. Quand on commence à changer, je veux dire. Alors, ce qu'on va faire, on va mettre son petit déshabillé. Pour voir un peu ce qu'il va me dire. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, qu'est-ce que vous faites dans les tunnels du métro? On fait des projets, on attend notre heure. Tenpenny et sa bande de snobinards élitistes ne pourront pas toujours nous tenir à l'écart de cette tour. On a des droits, et si on ne nous les accorde pas, on ira les chercher. Vous êtes à l'abri dans ces tunnels, pourquoi vouloir aller à Tenpenny? Les ghouls ont pas le droit au confort et au luxe, hein? Vous croyez que les ghouls doivent rester dans les bas-fonds des terres désolées? C'est pas faux. Vous manquez pas de tuyaux. Je pourrais peut-être vous faire entrer. J'ai déjà un plan. Ils disent que je suis un monstre. Je vais leur en montrer, moi, des monstres. On va lâcher nos frères sauvages sur eux. Tous ces enfoirés de racistes vont se faire déchiqueter. Le problème, c'est la porte d'accès au métro. Vous voyez, une espèce de porte de secours relie le sous-sol de la Tenpenny Tower au tunnel du métro. Il doit exister un moyen de l'ouvrir. Allez, tuer ces élitistes, je pense pouvoir aider pour cette porte de secours. Laissez-moi parler à Tenpenny, il accepterait peut-être. Ah, ces snobinards doivent déjà avoir du mal à supporter entre eux. Alors nous... Mais si vous y tenez, allez voir Tenpenny. Je suis sûr que ça marchera pas. Ensuite, on agira à ma manière. Allez ouvrir cette porte de secours au sous-sol de la tour, et je lâcherai les sauvages sur eux. Pardon, Tempi. Qu'est-ce qu'il y a à en dire? Je crois pouvoir les convaincre de vous laisser vivre là-bas. Vous croyez, hein? Ah, oui. Allez-y, mais vous rêvez. Je veux bien vous laisser essayer, mais ensuite on fera à ma manière. C'est déjà ça. Alors commencez d'être une goule. Choisissez bien ce que vous allez dire. Attention, je n'ai pas de préjugés, hein. Bien sûr. N'importe que vous soyez une goule. C'est vous le compte plein de préjugés. Bon, vous êtes moché alors. Je suis peut-être trompé. Pardon. Les gens nous traitent comme de la merde. Mais ça nous unit. Sinon, on n'est pas différent de ceux qui ont eu le malheur de survivre au-delà de l'enfance. C'est pas faux. J'ai tué un paquet de ghouls tarés dans les tunnels du métro. Comme ça, vous avez tué un groupe de ghouls sauvages. C'est censé m'impressionner. J'ai plus la moindre compassion pour ces décérébrés. Mais ils ont eu leur utilité. Tenir au loin les ordures à police dans votre genre. Ok. Dépêchez-vous. Il faut donner à ces ghoulophobes ce qu'ils méritent. Et ça n'a que trop tardé. Allez, filez! Bon, bah la tâche va être bien compliquée, j'ai l'impression, quand même. Ici, il y a quoi? Oh putain, ils sont...
Encore des ghouls ici. Ouais. C'est pour aller à la Tempini en fait. Ce que j'ai pu comprendre. Je lui ai fait péter la tête. Et aussi. Plus rien, ok. Porte vers l'accès du générateur, c'est ça en fait. Donc là on va pas y aller tout de suite, on va essayer de les convaincre, puis si on n'y arrive pas, bah écoutez. Hein. Ce sera tant pis pour les Tempini. S'ils n'arrivent pas à comprendre qui vont mourir si. S'ils n'aident pas les goûts, ils n'acceptent pas les goûts après. Merde. Oui, je n'ai pas fait gaffe en fait. Là, je me dis que tant qu'à faire. Du coup, est-ce qu'il y a des choses que là je peux virer? On verra le faire. Là, je suis chez quelqu'un en fait. Bon, très bien, on va pouvoir retourner à Tempini. On va voir comment on va régler ça. Sortir du métro, prendre l'ascenseur, enfin le téléporteur, ce sera parfait. Bon, du coup, je vais faire une sauvegarde rapide pour éviter d'avoir le même problème que tout à l'heure. Surtout que j'ai un peu avancé.